Celui-là, il est spécial, hein? Bonjour, qu'est-ce que c'est que Bioméga? Bioméga, c'est une société qui est basée au Danemark, qui a été fondée par un designer, Jens Martin Skipstedt, en 1998. Donc c'est du vélo uniquement urbain, donc urban mobility, comme ils disent au Danemark. Oui, mais alors le Danemark, c'est plat? Pas partout. C'est pour ça qu'il y a aussi des vélos électriques, c'est voilà. Ça? Je suis au centre à Silkeborg, qui est un peu plus vallonné. Bon, c'est pas des montagnes, hein, mais enfin, c'est quand même un peu vallonné. Alors, dans les vélos urbains, vous en présentez toute une différente gamme. Voilà. Allez-y. Pardon. On a les vélos classiques, on va dire, sur lesquels on peut ajouter des garde-boue, pour bagages, pour transporter les petits objets. Ensuite, on a des vélos plus dans une ligne cargo, on va dire, avec porte-bagages plus grand, ou carrément celui-là, on peut transporter 50 kg d'affaires, on peut faire les courses avec. Donc, et ça se manie quasiment comme un vélo normal. Et sinon, ça, c'est notre nouveau vélo électrique. Donc là, effectivement, c'est beaucoup plus dans l'optique de remplacer la voiture pour les petits trajets. Ça grossit entre 5 et 15 km par jour, par trajet, pardon, donc une centaine de kilomètres par jour. Même sur un trajet périurbain, pour mon boulot, par exemple, j'ai 7 km à faire. Avec un vélo normal, je mets 20 minutes. Et avec celui-là, je mets 13-14 minutes. Ah oui, c'est pas mal. Je gagne pas énorme, mais je gagne énormément de confort. Quand j'arrive, je suis pas fatigué, je transpire pas. Et j'ai quand même pris l'air un peu, fait tourner les plans. La recharge Alors, la recharge complète prend 5 heures, mais on peut faire 60 km sur une charge de batterie. Donc pareil, dans mon cas, qui est un cas, on va dire, moyen, 7 km, il y a des gens qui font plus, il y a des gens qui font un peu moins. Je peux par exemple aller au travail toute la semaine avec une seule charge de batterie. Et alors, celui-ci, combien coûte-t-il? Alors, dans cette version, avec un moyeu automatique à 2 vitesses, il coûte 2000 euros. D'accord. Il a une batterie intégrée, un moteur à l'avant, et le cadre est en carbone, ainsi que la fourche, avec les garde-boue intégrés. Donc, il est relativement léger. Il est, on peut dire, très léger pour un vélo électrique. C'est-à-dire moins de 19 kilos. Ah oui, c'est léger. Ensuite, les vélos cargo. Ils sont à quel prix? Alors celui-là est également à 2000 euros, 1995 pour être précis, et il pèse 17,5 kg. C'est très léger pour un cargo, et celui-là est à 1600 euros. Et alors ensuite, pourquoi est-ce que je devrais acheter un de vos vélos normaux? Un des vélos normaux, alors il y a deux arguments. Le principal, on va dire, c'est le style, il faut être honnête, c'est parce qu'on vise d'être à la fois moderne et élégant. La plupart des vélos élégants ont un look un peu ancien, un peu rétro. Là, on est vraiment dans du design moderne, mais avec la sobriété et l'absence de marquage partout. On essaie vraiment d'être sobre. L'autre avantage, c'est qu'on utilise des freins à disque hydraulique, une courroie sur tous nos modèles, ce qui réduit la maintenance à peu près à une visite par an. La chaîne ne rouille pas, elle n'est pas graisseuse, elle ne salit pas le pantalon. Enfin, la courroie, justement, oui. Par rapport à une chaîne. Ne salit pas le pantalon, ne le mange pas non plus dans le plateau, ne se détend pas. Donc en gros, on va chez le mécano une fois par an. Pareil, et version femme et version homme. Voilà, c'est ça. Et les femmes achètent vraiment plus volontiers les versions femmes? Oui, en particulier au Danemark, peut-être par habitude. Mais aussi, c'est aussi plus pratique quand on a une jupe. Voilà, hein. Exactement. Et comme les Danois, personne aussi, mais pour l'instant on est principalement sur le marché danois, on espère s'étendre, mais au Danemark on utilise vraiment le vélo tous les jours dans toutes les circonstances, donc pour les dames, vraiment très souvent en jeu. Merci. Voilà.